faire une petite date au Venice. On va l'essayer pour la fois, lui, du 10-30. C'est beau, c'est chaud! Ça a l'air bon. Moi, je viens de me faire percer. Ma mère, elle allait se faire percer, mais finalement, ben, elle peut pas être dans l'eau, fait que ça va aller en septembre. On va y retourner. Ok, je viens d'arriver à la maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas fini un update. Puis là, c'est beau bordel, mais c'est le jour du semi-déménagement. Et je voulais vous montrer les updates. Oups! En premier, c'est les planchers qui sont absolument magnifiques. Fait que déjà, là, on voit que ça change vraiment tout. Là, c'est le jour et la nuit. Là, les marches sont pas encore faites. Fait que les rampes sont pas arrivées. Les contre-marches sont pas encore finies, là, mais ça vous donne une idée. La couleur du plancher. Après ça, il y a le mur de l'arbre ici. Il manque une couche, fait qu'on va encore moins voir le bois. C'est peut-être pas fini, mais ça vous donne une petite idée de ce que ça va avoir l'air. Je vais vous faire des petits updates, là. Après ça, c'est la chambre. On a un autre mur là qui va, même chose, être peint une autre couche. Les planchers, c'est tellement beau. Fait que là, moi, c'est la première fois que je le vois en même temps que vous, mais on voit que la peinture ici est un petit peu plus beige que le reste de la maison. C'est magnifique. J'ai trop hâte de voir le résultat final. Je vais vous montrer la cour vite, vite. Bon, là, les gars sont dehors, mais regardez-moi ça. Comment c'est fou. Ça va être magnifique. Fait que ça, c'est le garde-robe. Ouais, ça fait tellement beau. Je suis capable de jouer en même temps que vous. De la salle de bain, la céramique a commencé à être posée. J'imagine que je peux marcher. Fait que là, c'est vraiment sale. Là. Fait que ça, vous n'aurez même pas une idée de ce que ça a l'air, mais c'est à peu près comme ça. Un beau beige. Et c'est vraiment sale. Là. Mais là, on voit que ça commence à prendre forme. Oh, j'ai tellement hâte. Elle est énorme. Okay, fait que là, l'alcôve est prête. On va avoir un banc ici. Le mur en céramique, je trouve ça magnifique, ça fait changement. La belle grosse vanité qui s'en vient ici, le bain sur pied, la grosse vitre avec les rebordures noires. Il va y avoir toute la robinetterie qui va être noire. Il va y avoir deux gros pommes de douche au plafond. On a fait fermer le mur ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une ouverture qui se rendait à la chambre. Il y avait une fenêtre ici. Fait que là, ici, devenue seulement la petite salle de lavage. Les fenêtres vont changer éventuellement. La petite mezzanine, ça va être fucking beau. Fait qu'il va avoir le divan, mais comme, my god, ça prend la moitié de la pièce. Mais ça va être beau. Fait qu'il va avoir la TV. Ça va être pas mal ça. Mais c'est fou comment ça change tout. Juste les planchers. Et puis ils sont même pas finis, là. Il reste les rampes, puis il reste la poutre. Mais juste ça, ça fait une méga différence avec la peinture. Après ça, ben, la cuisine, comme vous voyez, elle est vraiment pas faite. Ça va dans 2 semaines. Après ça, ah, la céramique est installée ici. C'est sale, mais ça vous donne une idée. La peinture n'a pas encore été faite, le vanité n'est pas installé. Ici aussi, on a un meuble sur mesure. Ça va devenir noir comme ça. Là, ici, il y a juste les planchers qui ont été faits. Hey, mais je capote. Moi, j'avais pas vu encore avec les planchers. Puis la même chose ici, dans la salle à manger, on a un autre mur de lambris. Là, dans le fond, ce que je voulais, moi, je voulais vraiment des murs de lambris. Contreplaqué, là, je pense, mais c'était backorder, puis c'était vraiment beaucoup plus cher. Fait que ça, c'est un ami qui nous les a faites. Fait que ça donne pas le même fini, là. C'est un fini un petit peu plus rustique, mais quand je vous dis, il va y avoir une couche de plus, mais c'est plus rustique que si c'était laminé, là. Fait que. Mais ça fait quand même super beau. Ça donne un cachet, puis c'est quand il va. Je reviens d'aller visiter des condos à Brossard sur le bord de l'eau, le Mélème. Au vrai, j'avais pas entendu parler de ça avant cette semaine. Puis je suis allée visiter, regarder les unités qui restaient. Parce que dans le fond, le projet est en cours, mais il est pas encore prêt. Ça avait pris en septembre. Et c'était magnifique. Magnifique. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. Moi, le condo que je regarde, ce serait à peu près lui ici. Parce que dans le fond, on a juste le... ce serait au troisième, ce serait celui-là. Parce qu'on a juste le droit au chien sur les 3 premiers étages et le 11e. Fait qu'en tout cas, ça donne que c'est celui-là qui resterait. Et mon ami Ariel regarde pour lui juste à côté. Fait que ça serait vraiment, vraiment nice. On le lance dans l'univers. Ce serait un beau projet. Puis je vais vous montrer vite, vite, là. Il y a une salle de gym. Il y a une piscine intérieure. Une salle de yoga. Et après ça, en bas, ils vont avoir un truc. On sait pas encore ce que c'est. Mais ça risque d'être un café, restaurant, épicerie. On a une salle, ben, une place pour se faire bronzer sur la terrasse extérieure.
Après ça, ça, c'est les appartements à quoi ils ressemblent. Fait que les cadrages de porte sont noirs, ce qui est vraiment, vraiment mis de goût. Les rideaux sont inclus. Dans le fond, tous les voilages de l'appartement. Dans la chambre, c'est des rideaux opaques. Dans le salon, c'est des toiles blanches. C'est super beau. Les planchers sont vraiment pâles. Fait que dans le fond, moi, ça serait cet appartement-là, ce style-là, le bois, les armoires blanches. Vraiment magnifique. Fait que je vous montre ça. En tout cas, je donnerai une nouvelle éventuellement, mais ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Mais c'est tout ça pour dire que je suis revenue quand même tard, puis j'ai super faim. Puis j'avais une boîte qui m'attendait devant la porte. Je suis tellement chanceuse. Puis c'est un repas à faire. J'ai même une bonne bouteille de vin avec ça. Je vous mettrai le lien dans la barre info de ce vin-là. Sérieux, il est trop bon. J'ai reçu une bonne bouteille d'huile d'olive avec ça. Okay, je suis vraiment contente. C'est le genre de colis que j'adore recevoir. Okay, j'ai le kit pour faire une tartine végétalienne. Moi, c'est le choix que j'ai pris. Aux champignons, c'est vraiment mon genre. Je veux vraiment essayer de manger moins de viande là, et tout. Me remettre dans ce mindset-là. Fait que j'avais l'option. Alors, pourquoi pas, je tripe sur les champignons. Puis là, regardez la grosseur de ceux-là. Je suis pas sûre c'est des pleurotes. Ça va être délicieux, fait que je vous montrerai le tout. J'ai ma petite recette ici. Voilà. Bon, fait que mes parents m'ont invité à manger des sushis. Parce qu'ils déménagent en plus, fait que c'est littéralement une des dernières, ou si c'est pas la dernière fois dans votre condo. Ça va être bon. Uni Sushi, mon père va absolument dire ça vient de Uni Sushi. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Boulevard Tachereau. Boulevard Tachereau. Granville Park. Granville Park. Pour le vlog. Puis on est venu au Shaker, puis on a order des drinks, et ça paraît peut-être pas, là. Mais pour vrai, là, c'est aussi gros que notre tête, là. Fait que toi, c'est cocon, mais c'est vraiment littéralement aussi gros que notre tête. On va pisser 14 fois, mais. Il est présentement 3h AM. Je sais pas pourquoi je fais ça là, mais my god, je finis toujours par cuisiner avec des heures de fou. Je me suis pris un café à genre minuit, un autre à 1h du matin. That's probably why. Mais bon, j'avais des dumplings à faire pour mes plats la semaine prochaine, puis je me suis dit que j'allais me prendre avance, j'allais les congeler. Fait comme ça en fin de semaine, ben genre moins de stress. J'ai déjà fait ma sauce aux arachides. Je pense que je vais essayer de faire ça à l'avenir parce que c'est dur là avec l'été de tout coordonner. Fait que en tout cas, dumplings au congélo, faut juste que je trouve de la place. Bon, je vais vous filmer un petit update vite vite pendant que j'en ai la chance là. Les luminaires viennent d'être installés, mais là, ils vont être ajustés là, parce qu'on voulait un gap de jeu qui soit pas tout égal. On attend encore la table qui a été repoussée. Ça l'a pas encore changé. Ici, c'est les meubles qui ont commencé à être mis pour la chambre d'invités, mais là, rien de palpitant. Le foyer pas encore peinturé, rien. Ça non plus, ça n'a pas été touché. Pour la salle de bain, la vanité, elle a été installée, le lavabo, la robinetterie. Miroir vient d'être commandé. C'est la finition est pas terminée. Là. Fait que les updates courts, je me souviens un peu la dernière fois ce que je vous avais montré, mais là, les lumières ont été installées. La pergola, il me semble que c'était là. Les meubles avaient commencé à arriver. Là, il pleut, fait qu'on verra pas, mais c'est super beau. Fait que c'est le kit qui fit avec la table là. Qui, eux, ils ont fait installer ça. Ils ont mis des plantes partout. Là-bas, il y a le petit pot de foyer, mais là, je peux pas tant marcher. Là-bas, il y a le petit pot de foyer. Puis il y a Coupe qui trippe, là. Fait que c'est vraiment... Puis là-bas, il va y avoir genre un hamac qui va fesser l'eau de main. Fait que c'est vraiment beau. OK, je reviens du Dollarama. J'ai fait une razzia parce que demain, ma nouvelle collègue déménage, Ariel. Vous l'avez sûrement déjà vu passer dans mes stories si vous me suivez sur Instagram. Sinon, ben, vous allez la voir dans mes vlogs éventuellement, c'est sûr. Puis pour l'occasion, on fait un party à thématique safari. Pour les gens qui vont nous aider à déménager et tout. Fait que là, tout le monde doit être déguisé en animal. Puis en allant chercher mon costume, je me suis dit pourquoi pas y aller en ligne puis prendre des décos puis des petites affaires pour le jeu. Fait que pour la soirée. Fait que j'ai pris plein de collants comme ça que je vais pouvoir coller dans les vitres sur les murs.
de plein d'affaires. Fait que toute ta thématique animal slash safari. J'ai pris d'autres choses différentes ici. Après ça, j'ai pris ce jeu-là. Parce que je vais faire des genres de mini-olympiades avec de l'alcool en jeu, bien évidemment. Je vais faire des jello shots. J'ai acheté des mini-shots puis du jello. Ça, ça va être le premier jeu que je vais installer sur le balcon, probablement sur la serviette de même ou peu importe. Là. Je vais faire des petits setups. Allô? Je vais faire des petits kiosques, whatever. Fait qu'on a le premier jeu qui est avec un hippopotame, un genre de mini-pot. Après ça, j'ai le deuxième jeu que je vais mettre dans une genre de chaudière, bac, whatever. Là. Ok, l'autre est là. Fait que c'est des petits trucs de pêche. Fait qu'il va y avoir deux personnes à la fois, puis ça va être dans un bucket rempli d'eau. Fait que ça, c'est le deuxième jeu. Après ça, j'ai pris comme un autre jeu. Fait que sur la table, il va y avoir deux casse-têtes thème d'animal. Puis c'est le premier qui finit de remplir son casse-tête le plus vite possible. Il va gagner la partie. L'autre va devoir caler son verre. Après ça, j'ai pris des trucs pour jouer au beer pong, un petit classique. J'ai pris des décos juste parce que c'est le fun d'avoir un parterre de décoration, des ballons. Après ça, j'ai pris ça pour juste pour déco, pour mettre dans le pot là. Fait que ça va être cute. Après ça, j'ai pris un fusil à eau en forme de dinosaure. Je vais mettre de l'alcool dedans, je vais faire des shots au monde là-dedans. Après ça, ça va être pour mettre dans le... J'ai un genre de gros pichet, là, whatever, transparent, là, qu'on peut mettre de l'alcool puis verser, là, vous savez de quoi je parle. En tout cas, je pense. Puis dedans, je vais mettre ça, c'est une tortue qui flotte puis qui fait de la lumière. Puis on va faire un jungle juice, là, vous comprenez le lien, safari puis tout. Fait qu'on va mettre full alcool là-dedans, pêle-mêle, ça sera peut-être pas bon, mais c'est pas ça le point, comme on dit. Hein. Après ça, c'est pour faire mes petits jello shots. What else? J'ai pris... Ah, pour mon costume, dans le fond, moi, j'ai pris deux trucs. Fait que je vais sûrement être en aventurière. Fait que je vais avoir mon filet que je vais traîner. Je vais avoir mon chapeau. J'ai des longues vues à quelque part en forme de... En forme d'hippopotame. OK, donc ça, c'est des trucs pour moi. Puis je me suis pris un deuxième ticket parce que je sais que le monde va sûrement charler que j'ai pas de truc animal. Fait que je me suis pris un truc de singe. J'ai d'autres trucs là-dedans pour la fiesta. Non, je pense que c'est tout en termes de là-dedans. Après ça, j'ai ça que je vais mettre sur la porte d'entrée. j'aimerais ça faire une pancarte ici et écrire de quoi dans la porte. Ça va être pour verser l'alcool. C'est trop cute. Puis après ça, ben ça, c'est le trophée pour les Olympiades. Puis ça, c'est mes longues vues que je vais mettre un cordon après, là, mais fait que c'est ça qui est ça. Ça résume bien le tout. Je me suis vraiment laissée apporter, j'allais là pour un truc. Je suis ressortie avec tout ça. Un bon classique, mais ça va être le fun. Il est présentement 3h30, puis j'ai eu un regain d'énergie, fait que j'ai décidé que j'allais monter le setup de Safari. Fait que j'ai retrouvé ça que j'avais pris pour la fête à coupe au Dollarama. Là, j'ai écrit ça parce que Ariel, c'est son arrivée. Puis ça, c'est l'expression qu'on dit toujours. Mais fait que ça risque d'être là à l'entrée quand le monde rentre. Ça va être un jungle juice thématique, comme j'ai dit. Puis dedans, il y a la petite tortue qui va allumer puis flotter. Ben, ça, je vais faire ça demain matin. Fait que j'ai mis les collants un peu partout. Il y en a plein, là. Fait que... C'est bien cute. J'en ai mis dans... Allô? J'en ai mis plein dans la fenêtre. C'est sûr qu'on les voit moyens. Il fait noir. Mais il y a des papillons. Puis là, je parlais pas trop fort parce que c'est le soir. Fait qu'ici, il y a le setup numéro 1 de golf avec l'hippopotame. On a notre déco ici. Ici, on a le jeu numéro 2 qui est les puzzles animal. Puis ici, on a le setup numéro 3 qui va être la pêche. Fait que après ça, tout ce qui me reste, ben c'est vraiment des trucs que je vais faire demain, là, genre gonfler les ballons. Je vais comme mettre ça un peu partout. Je vais gonfler ça, je vais me déguiser, puis je vais... je sais pas trop quoi d'autre qui reste, là. Mais ah oui, j'ai fait aussi, j'ai fait des jello shots. Fait que les jello shots, ça risque d'être pour le jeu. Ça risque d'être les trucs pour perdre. Fait qu'on a plein de jello shots ici. Puis je verrai demain si j'ai d'autres idées. Puis sinon, ben, j'ai mis des trucs à l'entraînement. Ok.
Et ils vont nous reconnaître. Vous connaissez mon amour pour les recettes qui vident le frigo. Fait que là, aujourd'hui, j'avais de la salade à passer. Fait que j'ai dégelé des petites crevettes de Matane. Des petites mini-crevettes là, que j'avais dans le congélo. Il fallait que je passe aussi. J'avais deux maïs à passer. Je les ai fait griller, je les ai mis là-dedans. J'avais des radis, des cocons, des petites tomates cerises. Puis j'ai fait une petite mayo épicée là, avec ça. Fait que j'ai bien honte de goûter, mais ça va être bon. C'est vrai? Ouais. Moi, je pensais qu'il voyait hier. Le souper, le barreau. Mais ça, je te dis, c'est fou, la crème. Oh, wow! Hey, orgasmique. La bourrade. C'est mou que le cul de mon ex. Yeah! Ah, direct dans le vlog. On est en direct de... Toulouse, t'arrives-tu? Hey, c'est un vibe. Ça, c'est un vibe. OK. Ça va être tous les samedis de l'été. Ah, c'est ça!